Donc, les luminaires en 3D, dans la modélisation 3D avancée, comment les luminaires fonctionnent? Tous les logiciels 3D, que ce soit V-Ray, que ce soit 3D Studio Max et incluant Revit, sauf SketchUp, bien sûr, ces logiciels ont la capacité de produire de la lumière. Maintenant, comment ils produisent la lumière? Ils ont des modules de simulation qui sont capables de générer la lumière à partir d'un élément. Donc, la source de lumière dans les logiciels 3D est un de ces cinq que vous voyez devant vous maintenant. Ou bien la source est un point, donc un petit point, et à partir de là, la lumière est diffusée. Ou bien c'est une lumière projecteur, et là, la lumière, elle est projetée, mais elle a un angle de projection spécifique. Donc, comme ça, la lumière, elle va être projetée avec un angle. Ou bien c'est une lumière en ligne, c'est-à-dire que la source est une ligne, est un segment. Là, tu as juste une ligne fine et elle va produire la lumière uniformément du point A à point B. Donc, on l'appelle la lumière linéaire ou à partir d'une surface, ce qui est le plus populaire. Donc, si vous avez une surface circulaire ou rectangulaire ou peut-être elliptique, comme ça, la lumière va être diffusée d'une façon homogène à partir de cette surface-là. Et finalement, les lumières photométriques, ce sont des lumières qui vont générer la lumière à partir d'un fichier prédéterminé par un manufacturier. Dans ce fichier-là, ça va être prescrit la source, sa forme, la quantité de lumens émise et la courbure avec laquelle ça va être diffusé. Donc, les lumières photométriques, souvent, elles vont être accompagnées d'un fichier IUS. Un fichier IUS, il est fourni par les manufacturiers de lumière pour générer la lumière. Donc, lui, ça va être comme sa description de la luminaire. Donc, Revit, bien entendu, il est capable de gérer le fichier IUS. On va le voir tantôt. D'ailleurs, si vous allez dans vos librairies, si je vais ici dans les librairies de Revit, donc vous allez avoir ça dans, vous savez, dans C, Programme Data. On va aller chercher tout de suite. Donc, il faudrait que j'affiche mes fichiers cachés. Et ici, je vais avoir accès à Programme Data. Dedans, je vais aller à Autodesk. Dans Autodesk, je vais aller à Revit 2021. D'ailleurs, si vous n'avez pas les librairies ici, vous pouvez les télécharger à partir du site d'Autodesk et les placer ici. Maintenant, si vous ne savez pas où les placer, je viens de vous le montrer. C'est à cet endroit qu'il faut les placer. Et pour savoir comment les chercher, pour que vous le connaissiez dans le futur, tout simplement tapez dans la recherche Revit Libraries Download 2000. 21. Alors, vous allez ici et vous allez voir dans Download, vous avez ici English United States, vous téléchargez tous les quatre ici. Puis par la suite, vous allez à Canada ici et vous téléchargez cela. Ça, c'est juste quelques fichiers complémentaires pour le Canada. Sinon, il faut avoir les fichiers des États-Unis avant. Et ceux qui veulent travailler en français, mais vous allez prendre French et vous prenez ces quatre fichiers au complet et vous prenez le fichier de Canada avec. Donc, ou bien French, English, Canada, ou bien vous prenez les États-Unis. Vous téléchargez les quatre et vous les installez après.
Maintenant, à l'intérieur des librairies, vous allez voir qu'il y a un dossier qui s'appelle IUS pour Revit. Dedans, il y a un ensemble de fichiers IUS fournis. Il y a quand même un bon groupe, 141. Ils correspondent à des luminaires déjà existantes avec Revit. Maintenant, si je vais dans un de ces fichiers et je l'ouvre, vous allez vous rendre compte que c'est un fichier texte. Je peux l'ouvrir avec Notepad ou WordPad. Et c'est ça le fichier. C'est tout. Donc, qu'est-ce que dit le fichier? Il va vous dire que c'est un fichier 1 pied par 4 pieds. Il va produire 40 watts. Il est fluorescent linéaire. Il n'a pas de tilt. Tilt et non. Donc, d'angle pour regarder plus à droite ou à gauche. Et ensuite, ici, les coordonnées que vous avez, ce sont les coordonnées de sa courbure, cette courbure-là, la courbure de projection luminaire. Si je regarde, par exemple, celui-là, alors lui, comme vous voyez, il est plus compliqué parce qu'il projette la lumière à droite, à gauche et en bas. Donc, il y a trois courbures dedans. Puis voilà, il y en a plein. Maintenant, la beauté de la chose, c'est que c'est si on est capable de savoir exactement quel fichier IUS choisir pour nos projets. C'est ce qu'on va arriver tantôt. Donc, je m'en vais maintenant dans Revit pour voir comment Revit explique les luminaires. Parce que ça, ces explications, c'est ce qu'on retrouve dans 3D Studio Max et on retrouve dans d'autres logiciels, mais ils ne sont pas spécifiques. Revit est le plus précis dans son explication de comment les lumières sont faites. Donc, pour Revit, il divise les luminaires selon leur source d'émission et la façon que les luminaires sont distribués. Donc, il différencie entre les deux. Donc, tu peux avoir une combinaison de n'importe lequel des quatre en haut avec n'importe lequel de ceux qui sont en bas. Tu peux avoir point avec une distribution sphérique, point avec distribution demi-sphérique, point en projecteur et point en IUS. Les IUS, en passant, c'est photométrique. Donc, par la suite, la ligne. Donc, on a parlé tantôt, tu peux avoir ta source en point, en ligne, en surface rectangulaire ou en surface circulaire. Maintenant, à partir de là, je peux distribuer ma lumière en sphère. C'est ce qu'on appelle dans le logiciel 3D une lumière omni. Une lumière omni, c'est un point qui va diffuser la lumière dans tous les sens. On l'utilise dans certains logiciels ou dans certains projets pour illuminer rapidement un endroit, juste pour tester la lumière sans que j'aie besoin de travailler la lumière d'une façon détaillée. Donc, je l'ai fait pour illuminer tout l'ensemble du projet rapidement. D'ailleurs, Revit, il a une lumière de ce type et elle s'appelle la lumière Studio Light. Une Studio Light, c'est exactement ce qu'elle fait. C'est une lumière invisible que vous placez n'importe où et elle aura la capacité de projeter la lumière dans tous les sens. Maintenant, par la suite, la demi-sphère, elle va allumer seulement vers le bas ou vers le haut. Donc, ça, c'est typique pour les plafonniers. Un plafonnier, tu ne veux pas qu'il allume à l'intérieur du plancher. Donc, quand tu places une luminaire en point, par exemple, et tu veux qu'il allume uniquement vers le bas, donc tu vas lui dire, fais-le comme un hémisphère. Donc, un hémisphère. Puis par la suite, le projecteur. Le projecteur, c'est bon pour les spotlights. Donc, si j'ai des spotlights spécifiques à des endroits précis, je connais l'angle de projection, ce qu'on appelle le hotspot,
Et par la suite, j'ai un fall-off, c'est-à-dire une projection autour de la lumière forte. Exactement comme vous voyez dans l'image ici, ce que vous voyez dans le centre, on appelle ça le hotspot. Et ce qui suit après, on appelle ça le fall-off. Ça veut dire c'est ce qui suit après. Dans tous les cas, toutes les luminaires possibles, c'est possible de les projeter en fichier IUS. Il y a un IUS pour une lumière omni, comme il y en a pour les demi-sphères, il y a pour tout. L'idéal, c'est de faire des luminaires avec des fichiers IUS et l'intérêt sera de trouver tous ces fichiers IUS. Et lorsque vous les avez bien trouvés et vous les avez bien manipulés et vous les connaissez bien, vous allez leur donner des noms spécifiques à vous, faire votre propre librairie. Et que vous travaillez avec 3ds Max ou avec V-Ray SketchUp ou avec Cinema 4D, ces fichiers-là, il est possible de les intégrer avec chaque lumière que vous faites, n'importe où, incluant Revit. Donc, ces fichiers IUS que je viens de vous montrer tantôt, que j'ai fermés, ce qui n'était pas vraiment intelligent. OK, on va les retrouver. Donc, mes luminaires, attendez que je les retrouve, mes luminaires. C'est pas ici, donc on va retourner dans Programme Data. Compliqué à trouver. Donc, c'est dans C. Programme Data. Autodesk. RVT 2021. Et ici, dans le fichier US. Donc, ces fichiers-là, ils ont des noms. Et les noms sont indicateurs. Donc, je vois ici 1 par 4. Deux lampes. Donc, j'ai un pied par 4 pieds de long. Et dedans, il y a deux tubes. Donc, 1 par 4, 2 tubes. 1 par 4, 3 tubes. 1 par 4, T12. Donc, ça, c'est un tube type 12. Ici, 1 par 4, 2 tubes 12. Donc, ils sont plus épais, plus larges. Je regarde ici, ça, on est tombé ici dans le 2 par 2. Ici, dans le 2 par 2 aussi. Ici, 2 par 4. Ici, 2 par 4, 3 lampes. 2 par 4, 4 lampes. Je descends pour voir. Jusqu'à maintenant, c'est toutes les mêmes types. Donc, là, à un moment donné, vous allez trouver d'autres types, comme 243 T5S. D'ailleurs, si vous prenez ce nom-là, vous le copiez et vous allez sur Google et vous tapez le nom. Allez-toi. Donc, on va taper le nom pour chercher. Comme ça. Donc, il peut. Hé, lâche mes feuilles. OK. Donc, si on cherche le nom, il ne le retrouve pas. Ce n'est pas ce qu'on cherche. OK. Donc, il ne va pas le retrouver facilement, à moins que vous allez dans le forum Autodesk ici. Et je pense pas, c'est pas possible de le retrouver de cette façon. Mais ce n'est pas comme trop un problème parce que nous allons le voir tantôt dans Revit. Mais il reste que ces luminaires, ils ont été faits la plupart pour Autodesk, par Autodesk. Donc, mais les noms sont quand même, ils aident à savoir, comme ici Wallwash. Des fois, vous allez pouvoir reconnaître. OK. Maintenant, lorsque vous utilisez un de ces fichiers IUS et vous connaissez exactement comment il fonctionne, ce sera vraiment intéressant de créer une deuxième librairie parallèle et le prendre, de le placer parce que vous les connaissez. Donnez-lui un préfixe par vos initiales et mettez peut-être une explication supplémentaire à côté. Comme vous lui dites, c'est bon pour des spotlights type, je ne sais pas,
Et dans le futur, lorsque vous avez à faire un projet comme ça, peut-être que vous allez faire votre projet avec SketchUp, vous n'avez pas le temps de faire avec Revit, vous voulez le rendre avec V-Ray, mais vous voulez avoir la bonne qualité de lumière. Vous ne voulez pas que ce soit une approximation. Comme ça, vous pouvez chercher ce fichier et le placer. Maintenant, les luminaires dans Revit sont composés de cette façon. Une luminaire, malgré qu'on peut avoir l'impression que la lumière, c'est une entité unique, mais la réalité, c'est autre chose. Une luminaire Revit est composée de quatre choses différentes. La géométrie 3D, qui est le carapace, c'est le corps, c'est l'objet mort. Donc, cet objet, s'il n'a pas une lumière IES ou autre attachée à lui, il ne va pas allumer. Okay? On le sait. Maintenant, le deuxième élément avec, c'est la lumière, c'est la source de lumière. La source de lumière est invisible. Donc, je l'associe à la lampe, au luminaire, à l'objet, à la géométrie. Je l'associe, je la place à côté, mais il n'y a pas de relation entre les deux. Ils ne vont pas vraiment comme... À moins que lorsque vous mettez la lumière à l'intérieur d'un globe vitré, ce globe vitré, vous êtes capable, par exemple, de lui donner une indication qu'il doit rayonner la lumière. Alors là, il faut lui donner cette indication dans les sous-catégories. Nous n'allons pas le faire pour cette session. Pour cette session, nous n'allons pas créer de luminaires, mais nous allons davantage savoir comment les manipuler. Dans la session prochaine, dans les cours de simulation, on pourra travailler sur comment créer des lumières. Donc, les symboles, c'est comment la lumière va être affichée en plan. Exactement comme le plan que je vous ai montré ici. Par exemple, on voit ici des symboles. Mais si on regarde vers le plan réfléchi, comment je vois les luminaires, comment ils seront affichés. Ils ne vont pas être affichés en 3D. Il y a un dessin 2D associé à cette lampe-là. Et il y a finalement les shared parameters. Donc ici, j'aimerais vous attirer l'attention si vous n'avez pas encore saisi le sens shared, ça veut dire partagé. Les paramètres partagés. Ils sont partagés avec qui? Ils sont partagés avec le projet. Parce que quand tu crées un modèle famille d'une lumière, tu l'écris dans un fichier de famille. Après que tu as créé cette famille-là, tu peux ne rien spécifier dedans des paramètres. Et si tu fais ça, tu le sauvegardes, tu l'envoies vers ton projet. Ce qui va arriver, c'est que cette lumière, elle va exécuter ce qu'on lui a demandé tel quel, mais elle ne sera pas manipulable. C'est ça le point. Donc, tu peux, si on lui a dit que c'est une lumière de 100 watts qui fait 3000 lumens, qui fait ci et ça, telle couleur, puis on a fait d'une sorte qu'il n'y a pas de paramètres. On a vu la semaine passée comment on a créé des paramètres pour la largeur, la hauteur d'un objet. On a créé les paramètres. Et après qu'on a fait les paramètres, on a créé des équations entre les paramètres. Maintenant, pour des luminaires, si tu ne spécifies pas, il ne va pas avoir des paramètres. Tu amènes ta lumière, tu la places. Ça devient comme un bloc AutoCAD. Maintenant, si tu veux créer des luminaires, mais tu peux en faire des paramètres partagés, ce qui veut dire que dans le projet de Revit, je peux changer les paramètres. C'est pour ça qu'ils sont partagés. Donc, par exemple, la source de lumière. Par défaut, elle est 3000 lumens. Mais si je clique sur le bouton de créer des paramètres pour ça, et je lui dis, ça, c'est un paramètre partagé dorénavant. Donc, quand j'amène ma lumière dans le projet, je peux la changer, je peux lui dire, cette lumière, elle va être pas 3000, elle va être 5000. Et si vous vous rappelez bien, je vais mettre vraiment l'accent sur ça. Lorsque vous voulez créer ce paramètre,
dans la famille de la lumière, vous avez deux options. Vous vous rappelez, c'était lesquelles? Type et instance. Maintenant, si je dis à la lumière que le paramètre que j'ai créé est un paramètre type, ça veut dire que lorsque j'amène ma lumière, je la copie 100 fois. Si je change ce paramètre-là de 3000 lumens à 5000 lumens, toutes les lumières vont changer. Tandis que si je lui dis que ce paramètre-là n'est pas type, mais il est instance, ça veut dire que je pourrais changer le taux de luminosité pour chaque lumière, pour chaque duplication, pour chaque instance, indépendamment. Donc, je peux changer pour une luminaire, les autres ne vont pas changer. Après, change les autres. Donc, ça, c'est comme comment on crée le luminaire en tout. Votre luminaire, que ce soit que vous voulez en créer une, ou si vous voulez manipuler la lumière et la comprendre dans les deux sens, vous devez savoir que dans votre luminaire, il y a ces quatre choses. Maintenant, combinées ensemble, ça va faire un luminaire. Il reste que, toujours à se rappeler qu'un luminaire est une famille après tout. Donc, si de la même façon qu'on a compris les étagères la semaine passée, on peut comprendre les luminaires dans le même sens. Juste pour finir, Revit, il a des luminaires par défaut. Donc, si on regarde les luminaires de Revit, on va constater certaines choses. Par exemple, sa première luminaire, elle s'appelle Ceiling Light Round. Dans ce luminaire-là, on va voir que la géométrie ronde, comme ça, elle est créée sur un plafond. C'est pour ça qu'on appelle cette lumière Ceiling. Et dedans, il y a le globe jaune, qui lui, c'est l'entité de la lumière. Donc, on va aller dans Revit maintenant, puis on va essayer de comprendre comment c'est fait. Donc, je vais aller ouvrir. Je vais commencer par fermer mes luminaires. Ça, je n'ai pas besoin. Ça, je n'ai pas besoin. OK. Non. Et celui-là. Donc, c'est celui-là qu'on parle. Comme vous voyez, vous avez le globe jaune et vous avez ici un plafond. C'est quoi ce plafond? C'est que Revit, lorsque vous voulez créer un luminaire, il vous demande, vous voulez faire quel type de luminaire? Comme lorsqu'on a créé toute autre famille, lorsque vous voulez créer une famille, lui, il vous prépare un fichier gabarit, un fichier de template. Ça, c'est le template pour créer des luminaires de plafond. Donc, lorsque je vais créer une luminaire de plafond, je vais aller dans File, New, Family. Et ici, je vais aller dans ma librairie et je vais descendre à Luminaire. C'est facile à trouver parce que c'est le seul qui sont jaunes. Donc, ici, si je descends encore, regardez ça, on commence ici. Celui-là, il s'appelle Light and Fixture Ceiling Based. Donc, c'est une luminaire fixture qui colle sur le plafond. Ça veut dire que quand tu viens pour le coller sur le mur, il ne va pas accepter. Parce que pour lui, il cherche le plafond. Le deuxième à côté, Light and Fixture Wall Based. Donc, lui, il va être basé sur un mur. Et si c'est Light and Fixture tout court, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est un luminaire que je peux placer un peu n'importe où. Donc, ça, c'est un luminaire libre. Et je peux le faire coller sur n'importe quel objet que je veux, parce que lorsque j'amène mes luminaires, je peux la faire coller. Maintenant, le prochain, c'est Linear Fixture Ceiling Based. Donc là, c'est une lumière linéaire. Donc, le premier était aussi Ceiling Based, mais lui, il n'était pas linéaire. Lui, il est linéaire. Maintenant, ici, Linear Lighting Fixture Base Wall. Donc, ça, c'est sur le mur. Celui-là, ça va être Linear Fixture tout court. Donc, lumière linéaire,
mais qui n'a pas de base spécifique. Donc, ça, c'est ici mes six types de luminaires, le premier six types. Donc, ça, c'est le point et ça, c'est le linéaire. Je descends maintenant. En fait, ça, c'est la surface et ça, c'est le linéaire. Donc, si tu peux créer genre une luminaire en forme rectangulaire, circulaire, je descends un peu plus bas et ici, j'arrive au spot. Ici, spot fixture, ceiling base. Donc là, ça va être un point placé sur le plafond. Ici, un point sur le mur et ici, un point tout libre. Donc en tout, j'ai 9 types de luminaires. Il n'y en a pas d'autres. Et puis ça, c'est mes gabarits qui se trouvent dans mes librairies. Donc si je commence pour faire un luminaire type plafond, surfacique, je vais l'ouvrir. Vous allez voir qu'il va d'emblée, voilà la luminaire qu'il m'a créée. Et si je regarde en élévation, je vais voir le plafond. Donc ça, c'est la hauteur de mon plafond. Bien sûr, il n'a pas besoin de le dire parce que du moment que lui, il a spécifié que ça, c'est la ligne de plafond, le plafond, il est collé sur la ligne de référence. Vous vous rappelez comment on l'a collé, on le fait aligner, coller. On fait align ça avec ça, puis on les colle ensemble. Ce qui fait que puisque tu as créé cette relation, lorsque tu vas amener ta luminaire dans ton projet, il va venir la coller dessus. Donc, présentement, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une lumière comme ça. Et regardez comment la lumière, elle est collée sur l'axe. Et elle est collée sur cet axe. Donc, si moi, je veux que la lumière soit plus bas, il va falloir que je descende l'axe. Donc, si l'axe est de 4 pouces, je peux lui dire non, cet axe est de 8 pouces. La lumière va suivre. Je ne vais pas aller déplacer la lumière de l'axe. Il faut toujours que mes objets soient collés sur l'axe. Parce que, de cette façon, puisqu'il y a une relation entre la lumière et l'axe, cette relation va rester, va demeurer lorsque vous allez en projet. Et comme ça, elles vont être collées ensemble. Donc, ma lumière, cette source de lumière, pour la définir, si je veux la changer, lorsque je clique dessus dans le menu contextuel, dans Light Source Definition, je peux spécifier quel type de lumière. Je peux spécifier la source comme le mode de distribution. Donc, je peux lui dire, par exemple, que la source, elle est circulaire comme un disque. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, si tu lui dis que c'est comme un disque, présentement, le disque, il est de 2 pieds. Je vais le gérer tantôt. Je vais l'arranger. Pas laisser 2 pieds. Maintenant, le mode de distribution. Présentement, il est sphérique. Moi, je peux lui dire, je vais être demi-sphérique. Donc, comme ça, il va être aligné uniquement vers le bas. Si je veux qu'il soit vers le haut, mais je le tourne. Maintenant, celui-là, si je regarde ici, Light Source Definition. Donc, comme ça, je peux retourner pour le gérer. Je peux regarder en plan pour le voir. Donc, on est en train de faire ça pour une seule raison. C'est seulement pour comprendre comment ça fonctionne le plan. Comment ça fonctionne, il faut regarder ça sur le plan de plafond. Donc, juste pour savoir comment ça fonctionne cet élément-là. Donc, ça, c'est mon plafond. Très bien. Je vais aller en 3D. Comme ça. Donc, ma luminaire est ici. Je vais retourner en élévation et remettre ça à 4 pouces. Ça. Très bien. Donc, le diamètre ici, maintenant, je peux changer le diamètre. Je peux lui dire si je veux qu'il soit tel ou tel
Et je pourrais comme changer le reste des éléments. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cette lumière, elle est invisible. Si je veux faire ma propre lumière, il va falloir que je fasse créer. Donc, je peux tout simplement faire une extrusion circulaire pour créer la plateforme, par la suite faire quelque chose en vitre. Donc, j'ai juste à le créer. On pourrait peut-être voir plus en détail, créer un, mais c'est plus, on n'en a pas besoin, puis je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Donc, présentement, je vais fermer tout ça. Je préfère pour ce niveau, pour le niveau que nous faisons maintenant, de nous servir surtout des luminaires dérivés, de les comprendre et de les utiliser à fond. Et la deuxième chose, d'utiliser les luminaires des manufacturiers, comme par exemple Philips. Nous allons voir où est-ce qu'il est. Philips, juste à s'en voir. Non, il n'est plus ici, donc je vais aller les chercher. Je vais aller les chercher tout de suite. Puis je vais vous donner le lien tantôt, comme ça vous pouvez vous en servir pour le futur. Ici. Donc, ce lien, je vais vous le copier dans le cours d'aujourd'hui. Comme ça va être accessible. Donc, ici, dans notre cours, on va aller ajouter une étiquette. Eh bien, donc Philips, c'est un manufacturier de luminaires. Ce n'est pas le seul, il y en a d'autres. Et lui, il a fait une section BIM sur son site web. Donc, les luminaires qui vous plaisent, je vais vous dire plusieurs intérêts dedans. Si je vais aller, par exemple, prendre des lumières suspendues de ce type. Là, vous allez choisir parmi ces types de lumières suspendues. Vous allez en choisir une. Donc, je vais aller prendre, disons, celle-là. OK. Donc, ça, c'est le type de lumière. Là, on le voit de plusieurs côtés. On va descendre, voir ici. Je regarde, mon luminaire est là. Et ça, c'est mon fichier IES. Il vous dit ici Where to buy. Si vous voulez placer avec votre document, votre documentation. Et je descends en bas. Ici, je vois que famille IES. Ça, c'est les PDF. Ça, c'est PDF. Donc, ils n'ont pas ici, ils n'ont pas intégré le fichier modèle Revit. Mais ils ont des modèles Revit avec eux. Donc, ça, c'est le fichier PDF. Donc, ici, vous avez toutes les spécifications de cette lumière-là. Je vais retourner en arrière, voir. Ici, support et contact, product. Je vais faire dans la recherche ici. Je pense que c'est juste en bas, quand vous cliquez sur le produit, vous descendez là où ça dit Software Plugins. Dans le même, dans les gentlespace. Oui. Mais en bas, je n'ai pas vu les Non, modèles. vous cliquez sur un des modèles et après vous descendez en bas. Comme en haut, là où il y a la liste des produits, vous cliquez Oui. sur un de ceux-là Oui. et après vous descendez jusqu'en bas, il y a le AIS. Oui, mais ce n'est pas les US que je cherche. On a trouvé les US. Je cherche les modèles Revit. Donc, on regarde ici. Ici, les US. Ici, il y a les LDT. En passant, tout ça, c'est des fichiers presque similaires, mais ça, c'est plus européen. Les LDT, c'est une forme des US et les ULD.
Mais certains modèles, ils ont le fichier BIM, donc le fichier Revit. Donc, je vais taper ici BIM. Je pense qu'ils les ont enlevés parce que c'était gratuit. Revit, download. À moins qu'ils les ont sortis. OK, tantôt je vais vous en trouver. Il y en a plein sur Internet. Il y a même sur BIMobject. Il y a beaucoup sur BIMobject. Donc, si je vais sur BIMobject, par exemple, nous allons voir. Donc, Mélissa nous a envoyé ce lien. Oui, cela, moi, je voulais les autres types. Donc, si vous avez comme quelques types, Revit Library de Philips. Donc, ceux-là sont déjà téléchargés, sont déjà faits en 3D. Bon, ça, c'est la lumière peut-être qui pourrait nous intéresser. Donc, allez-y ici, si on rentre dedans. Donc, il a déjà téléchargé comme ça. On va faire Open File, voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ici, donc il y a les fichiers Revit, comme ça. Merci, Mélissa. Okay. On va ouvrir celui-là. On va faire Upgrade Model, parce qu'il est fait en 2016. Donc, tantôt, je vais vous montrer dans BIMobject aussi comment ils sont faits, leurs luminaires. Donc, ça, c'est une lumière allumée vers le haut avec un projecteur vers le bas. Donc, si je vais enlever les lignes comme ça là, pour mieux le voir. En fait, il est juste tourné de mauvais sens, comme ça. Voilà. La lumière est supposée d'être comme ça. Si je regarde en consistent color. Donc, ça, c'est mon plafond. Et là, c'est la lumière suspendue. Donc, on peut télécharger cette lumière et la placer dans notre projet. On va faire un test tantôt, tout de suite après la pause. Maintenant, on veut juste comprendre qu'est-ce qu'on a comme option. Donc, je vais aller dans BIMobject aussi. Et c'est dans les catégories, on va aller dans les luminaires. Lighting. Donc, c'est comme vous voyez, vous avez 5749 luminaires, 152 manufacturiers différents. Donc, je peux encore séparer, filtrer un peu plus parce que j'ai Ceiling Mounted, Desk, Emergency, Floor et Other. Donc, et il y a des luminaires vraiment de toute beauté ici. Donc, prenons un typique. Disons qu'on veut mettre une lumière comme ça à l'entrée. Donc, je vais prendre ça pour le moment. Nous, on avait des luminaires pour le mur. N'oubliez pas de faire votre compte de BIMobject. Donc, je vais faire download. Là, il me donne, et ça, c'est très important, il me donne les fichiers PDF de la lumière. Ça, vous allez en avoir besoin dans n'importe quel projet que vous faites pour mettre dans l'annexe, pour dire cette lumière, c'est quoi ses caractéristiques, ses spécifications. Donc, même dans les projets que vous me remettez à moi, si vous mettez une lumière que vous avez cherchée de quelque part, normalement, dans les devis, vous devez dire, si vous dites, par exemple, j'ai 5 types de lumière, type de lumière 1, j'aimerais avoir celui-là ou un équivalent.
Mais vous devez mettre les fichiers de spécification dans l'annexe pour que l'entrepreneur sache c'est quoi et où il doit acheter vos luminaires. Donc, là ici, on en a 4. Je vais prendre juste un, n'importe lequel pour le moment. Je vais faire download. OK. Donc, je vais faire télécharger. Et voici ma lumière. Elle est ici. Donc, je vais... Juste une seconde. Maintenant, ce que je vais faire, je vais montrer un truc. Je vais aller prendre la luminaire ici, show in folder. Il est ici. Je vais lui faire cut, comme ça. Et par la suite, lorsque je suis dans Revit, je vais aller dans Revit. Et je vais faire File, Open, Family. Et je vais aller ici dans Lighting, Architectural, Internal. Et voici la lumière et j'ai la place ici. OK. Maintenant, il y a une question importante. Une question reliée à que où est-ce que je place mes librairies pour que je puisse les retrouver? Moi, je vous dis, pour ma pratique dans mon travail, qu'est-ce que je fais lorsque je suis dans un bureau? Moi, personnellement, j'ai une librairie dans les documents. Donc, dans mes fichiers, je vais aller l'enlever, par exemple. Je vais faire « Cut ». Je vais aller dans mes documents. Dans mes documents, là, j'ai fait une librairie ici, mais parce que moi, je ne touche pas à ma librairie de travail quand j'enseigne, pour plusieurs raisons. Mais parce qu'une des raisons les plus importantes, je ne veux pas la changer. Elle est sacrée pour moi. Je l'ai développée pendant des années. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu soignes ça. Une fois que tu as développé un matériau, tu en prends soin. Quand tu as développé un type de lumière que tu utilises souvent, là, tu le soignes, tu le prends, tu le mets dans ta librairie, tu en prends soin. La deuxième raison, c'est que cette librairie-là, après que je l'ai fait, j'ai fait un backup souvent. Donc ici, je vais écrire lighting. Vous pouvez le faire en français, écrire éclairage. Mais trouver une façon consistante dans la façon de faire. Donc ici, je vais le placer. Donc disons que ce luminaire est ici. Une autre affaire que je fais souvent, c'est que lorsque le luminaire a fonctionné pour moi, malgré que le nom est très long, j'ajoute sur le nom un commentaire. Des fois, je mets un préfixe. Un préfixe, par exemple, OK. Donc, un préfixe OK, pour moi, ça veut dire que ça a fonctionné. J'ai essayé, elle a fonctionné. Il y a des choses qui viennent de l'Internet, des fois, ils ne sont pas bons. On peut avoir comme un A+, des fois le plus ne fonctionne pas, je vais voir, non, ça fonctionnait. Donc A+, parce que c'était un luminaire parfait. Il a bien fonctionné, il était vraiment beau. Je lui donne comme une note. Donc il devient comme une luminaire à utiliser souvent. Et de toute façon, pour de quoi il a l'air, je peux m'inquiéter, je clique et je peux voir de quoi il a l'air ici. Donc, ça, comment on cherche des luminaires de l'Internet? BeamObject, c'est une source fiable. Et Philips, et il y en a d'autres, il y a plusieurs sources fiables. Mais la beauté de BeamObject, c'est que même les produits de Philips se trouvent ici. Donc, si tu tapes ici Philips, souvent, ils sont aussi ici. Donc, vous avez des luminaires, là, il y a d'autres objets, mais il faut spécifier, il faut filtrer les luminaires. Regardez les luminaires ici, ça c'est comme, vous allez en trouver, il y a toutes sortes de choses. Il y a aussi d'autres marques, mais normalement, toutes les marques sont ici, la plupart là. Donc, vous allez ici tout simplement dans éclairage et vous lui dites quel type d'éclairage vous cherchez.
Et surtout, il y a des trucs qui sont vraiment beaux à voir. Hein? C'est comme ces pipelines ici. Ils sont vraiment beaux à voir. Ça, c'est beau. Donc, si je cherche celui-là. Et si vous l'avez en fichier IFC et un fichier Revit. Le fichier IFC, c'est un fichier BIM que Revit est capable d'ouvrir. Donc, vous pouvez l'ouvrir et le convertir en Revit. Donc là, je vais faire la même affaire. Je vais le couper. Par la suite, je vais aller dans mes librairies personnelles et le placer dans ma librairie. Donc ici, dans Revit eTeaching Library. On va tester ces deux modèles qu'on vient de chercher. On va tester les deux, les mettre dans notre projet. Donc, pour le moment, l'éclairage, c'est ça dans Revit. La dernière chose qu'il faut se rappeler, on va le voir un peu plus dans le projet, c'est que lorsque vous placez des appareils d'éclairage, c'est super intelligent de les grouper sous des noms. Si vous avez, par exemple, des éclairages pour trois étages différents, il faut trouver un système pour les grouper ensemble. Donc, toutes les lumières, à chaque fois qu'il y a des lumières du premier étage, il faut qu'il y ait un préfixe étage 1, E1. Par la suite, vous les groupez selon les salles. Salle de conférence, entrée, bureau 1, bureau 2, bureau 3. Pourquoi? Parce que lorsque vous voulez effectuer un rendu, si vous ne lui dites pas quel luminaire allumer et quel luminaire éteindre, il va toutes les allumer dans le rendu parce que lui, il ne sait pas quel luminaire il voit dans la perspective et il va finir par rendre 500 luminaires. Votre rendu va prendre des heures à calculer pendant que vous êtes, par exemple, à l'intérieur d'un bureau qui a dedans 5 luminaires et que les autres luminaires n'ont aucun effet sur votre perspective. Donc, si je suis capable d'isoler les luminaires que moi j'ai besoin et d'éteindre les autres, ce sera l'idéal. Donc, vous utilisez le mode grouping. Donc, basé sur ça, ce que nous allons faire, nous allons faire un travail pratique. Nous allons commencer par monter le modèle que je vous ai montré, le plan. Donc, vous pouvez l'intégrer. À 1h10, on commence. À 10h10, 10h10. Donc, on va placer le plan, monter le 3D rapidement. Vous savez, maintenant, on peut faire ça en 15 minutes, max. Maximum 15 minutes, on va avoir le modèle 3D déjà monté. Et là, on va commencer à placer tous nos éléments. Un élément extrêmement important aujourd'hui, et que juste une anecdote, j'ai eu un de vos anciens collègues qui m'a appelé en fin de semaine en panique parce qu'elle a dessiné par-dessus un plan scanné, mais elle a tout dessiné sur le plan plutôt que de vérifier les mesures. Ça fait qu'elle a eu des imperfections partout, puis là, elle a eu besoin de tout scaler. Je vais vous montrer une façon de faire avec les lignes de référence qu'on a faites, comme on a fait dans le dernier cours. Et comme ça, quand vous créez vos murs, ils vont toujours suivre une structure fixe. Donc, prenez vos 10 minutes de repos. On se voit à 10h10. Alors, nous allons commencer maintenant à faire le projet. On fait nouveau. On va faire ça en impérial encore. Donc, on va prendre impérial architectural. Voilà, on est parti. Nous allons faire un cours à un moment donné, à voir comment changer tous les éléments d'annotation, faire quelque chose de personnel. On l'a vu un peu la semaine passée. Si vous voulez vous lancer à le faire, ce serait vraiment bien. Moi, je vais faire le mien aussi. Donc, la première chose qu'on va faire, on va insérer l'image. On va faire Insert. On va aller dans Importer l'image. Donc, ici, vous avez Link. Mais non, on ne va pas faire Link, on va faire Import. Link, il les garde en relation externe. On va faire Importation complète. OK.
Donc, ici, on va aller dans mon dossier de travail de cours. Donc, je vais aller dans mon cours, dans le cours 3 qui est aujourd'hui et dans l'exercice 1.3. Ici, je vais aller chercher mon image. Je vais la placer quelque part ici. Donc, j'aimerais que tout le monde soit au même niveau, qu'on travaille. Ça, c'est des choses quand même de base qu'on connaît bien déjà. Donc, je vais mesurer la porte. J'ai 17 pieds à peu près pour la porte. Donc, on sait que ce n'est pas possible. On va adopter quelque chose de logique. Donc, on va dire à peu près que la porte est 6 pieds ici, parce que 3 pour chaque volet. Pour confirmer ceci, on va commencer avec ce scale, puis après on verra si on aimerait l'adapter à quelque chose de différent. Donc, je commence par aller dans Modify, Scale. Il vaut mieux sélectionner l'image avant. Je m'approche de la porte parce que la porte sera ma première référence. Je vais prendre le premier côté de la porte au deuxième côté. Je m'approche exactement ici. Et là, je vais dire que ça, c'est supposé d'être 6 pieds. Donc, si je m'approche maintenant et je fais une mesure, un cut. Donc, on va aller faire dans les annotations. On va aller faire un cut. Bien sûr qu'il n'y a pas de ligne. Comme il n'y a pas de ligne, il ne peut pas coter dessus. Mais moi, je vais prendre l'outil de mesure pour mesurer, vérifier si c'est bel et bien la bonne mesure. Oui, voilà. Donc, c'est 6 pieds, à peu près 6 pieds. Donc, je vais cliquer quelque part ici. C'est bon. Donc, on a à peu près 6 pieds. Comme ça, je vais mesurer maintenant, comme par exemple, c'est place de travail. On va prendre la mesure, voir c'est combien et voir si c'est logique. Donc, elle dit que c'est 4 pieds 8 pouces pour une place de travail. C'est un peu serré, mais c'est petit. C'est supposé d'être petit. Si je regarde la largeur de ce bureau, il est supposé d'être à peu près 5-6 pieds. Donc, on va voir. 7 pieds. Maintenant, ce qu'il faut faire lorsqu'on fait un projet de ce type, c'est d'imaginer que le designer, il aurait fait quoi comme mesure. Parce que ça, en le faisant, ça va vous faciliter énormément le travail. Donc, vous vous dites, une salle de conférence, il ne va pas le faire à quelque chose de pas possible, avec des chiffres incroyables. Donc, si on dit ici 14 pieds 8 pouces, on va dire OK. Donc, probablement, la salle de conférence est 15 pieds du centre du mur au côté du mur. Donc, là, ça fait du sens. Donc, pour le faire maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me servir des axes pour faire mon travail. Donc, premièrement, je peux maintenant verrouiller le plan. Je clique dessus et je le clip. Je fais un pin. Donc maintenant, il ne bouge plus parce que je lui ai mis les pins. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller dans le plan de travail. Et dans le plan, finalement, ce qu'ils vont faire, ils vont faire des axes. Donc, je peux faire ça ou je peux faire carrément des axes. Donc, vous connaissez les axes ici? Je peux utiliser des axes aussi. C'est la même affaire. Mais je vais aller avec le plan de travail et je vais commencer avec le mur intérieur. Donc là, je vais le placer comme ça. En commençant avec ça,
Et à partir de maintenant, je ne vais plus dessiner sur l'image, je vais dessiner uniquement sur les axes. Donc, rapidement, je vais me créer un rythme. OK? Donc, le rythme, ça va être quoi? On a dit que ça va être à peu près 7 pieds ici. 7 pieds, ça va aller sur le côté. Donc, je vais aller dans offset. Je vais lui dire 7 pieds. Puis on va voir ce que ça me donne. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas le droit d'offsetter les axes, vous vous rappelez? Donc, ce qu'on fait pour un axe, on clique dessus, on fait « Create similar », on lui dit « 7 pieds », c'est ce qu'on a fait la semaine passée, et on clique sur les « Pick lines », comme ça. Excusez-moi, j'ai une question. Oui. En fait, je voulais mieux comprendre pourquoi vous utilisez les « Reference Planes » plutôt que le « Grid ». Pour faire ces lignes-là, est-ce qu'il y a une raison? C'est une bonne question. C'est que les lignes des grid lines, c'est que normalement on commence un projet avec. On les fait pour un projet. Est-ce qu'il y a une raison spécifique? Non, mais moi plus tard, lorsque je vais peut-être dessiner sur un plan, je pourrais me servir de ces plans, je pourrais leur donner des noms. Mais les grid lines aussi, on peut les servir comme des axes. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, j'ai dit l'un ou l'autre. Ça n'a pas d'importance. Moi, je suis plus à l'aise avec les axes. Oui, c'est ça, je me demandais. Ouais. OK, donc en théorie, on pourrait les utiliser comme pour dessiner dessus, mais finalement, ça revient au même, en fait. Exact. Moi, je pense que ça revient au même. Mais je suis plus à l'aise avec les lignes des plans. Parce que dans ma tête, il y a d'autres utilisations que je pourrais me servir en 3D plus tard, personnellement. Donc, si je veux, par exemple, faire une toiture spéciale, je pourrais me servir de ces axes pour créer des formes, pour créer comme peut-être des formes saccadées et créer une géométrie spéciale, même pour les plafonds. Donc, c'est pour cela. Ok, je comprends bien. Donc, je vais aller à 7, 2 pouces et demi. Regardez qu'est-ce que j'ai fait, je suis allé chercher le milieu. Maintenant, vous n'avez pas besoin vraiment pas d'avoir exactement les mêmes dimensions que moi. Ça n'a pas besoin d'être exactement 7 pouces, 2 pieds et demi. Mais ce que j'essaie de faire, c'est que lorsque je crée une duplication, que ça ne soit pas un chiffre bizarre. 7 pieds, 2 pouces et demi, c'est quelque chose de possible. Je vais prendre une mesure de ce centre à ce centre. Donc, regardez, 7 pieds et 10 pouces. OK, je vais aller avec ça. Donc, je vais écrire moi-même je vais écrire la dimension. Je vais la rentrer. Je ne vais pas faire à l'œil. Ça, c'est une chose certaine, c'est que je ne vais jamais faire à l'œil. Donc, je vais aller 7 et 10. Je fais pic et j'ai la place. Ah, regardez, c'est pas assez loin. Donc, je vais faire undo. Donc, je vais mettre 7 et 11. Mais peut-être à la fin, c'est supposé d'être 8 pieds. T'sais? Donc, je le fais. Ah, 7 et 11, c'est parfait. Ça rentre parfaitement en plein milieu. Maintenant, peut-être que ici aussi, 7 et 11. Non, ça, c'est plus. Donc, ça, c'est supposé d'être 8 et 4. Donc, au début, ça peut sembler comme on est en train de faire ça. Est-ce que ça vaut la peine? Je vous dis, à la fin, ça vaut la peine. Regardez, 8 et 4, ça tombe parfait. Puis, à la fin, ici, on a dit que c'est à peu près 15 pieds. Et je veux que ça soit du côté intérieur du mur. Donc, je vais aller dans 14. Ou je peux laisser 15. Et tout simplement agrandir mon mur, si j'ai le droit de le faire, bien sûr. Donc, je vais aller, par exemple, 14 et 10. Ah, c'est parfait, ça. Donc, ce que je viens de faire, je viens de mettre des axes à des dimensions très précises. Donc, maintenant, je vais mettre un axe dans l'autre sens.
OK. On n'a pas pris ma ligne que je viens de dessiner. Je vais la dessiner de nouveau. OK. Là, ça a fonctionné. On s'approche. Je la dépasse un petit peu pour mieux la voir. Ensuite, je vais prendre la mesure entre cette ligne et le centre. 8 pieds 6 pouces. C'est bon. Donc, je vais faire une première duplication. Ça, c'est bon. Ensuite, je vais prendre une deuxième mesure jusqu'ici, au milieu, 12 pieds 6 pouces. Ça commence à avoir de l'allure. C'est que cette façon de faire, ça fait que ce que nous dessinons, il va être précis. Donc, je vais aller 12 pieds 6 pouces. Comme ça. Et je pourrais continuer. Je pourrais dessiner. Maintenant, une chose certaine, c'est que je vais mettre la ligne de ce côté. Il faut que la distance totale soit quelque chose de raisonnable. Donc, je m'approche et je prends la mesure ici. 29 et 9. OK, on va aller avec ça. 29 et 9. Mais ça peut être 29 et 10, par exemple. C'est 29 et 10. Donc, je vais retourner. Je prends. On fait ça comme rapidement au départ. Comme ça. Qu'est-ce qu'il va me rester à faire? C'est ça ici. Mais cela, probablement, ce que je vais faire un, puis après, je vais le copier. Donc, je vais faire mon mur, puis après, faire les miroirs. Donc, je n'ai pas besoin de mettre les axes pour tout, là. Et ça ici, mais je pourrais aussi faire le mur, puis par la suite, le copier trois fois. Donc, commençons à dessiner. Comme ça, on est prêt pour faire ça. Je vais prendre la mesure de la largeur du mur. Six pouces, OK, c'est plus 7 pouces, 7 pouces. Donc, je vais aller dans le mur et je vais lui dire, là, il dit que ça, c'est un mur de 8 pouces. Je vais faire Edit Type, je vais dupliquer ce mur-là, je vais l'appeler exercice 3, mur, 7 pouces. Et je vais rentrer dans Edit la structure et je vais mettre ici 7 pouces. Comme ça, plus tard, si j'aimerais ajouter une composition pour ce mur-là, je pourrais le faire. Et je vais lui dire que lorsque je suis en Coarse Scale, remplis-le de noir. Comme ça. Maintenant, pour le dessiner, je vais le dessiner à une hauteur qui monte jusqu'au niveau 2. C'est exactement ça ce que j'essaie de dire. C'est que lorsqu'on dessine le mur qui arrive au niveau supérieur, il devient connecté avec le niveau. Donc, comme ça, si on change le niveau, la hauteur du mur change avec. La même affaire, le mur ici. Il va être connecté maintenant aux axes. Et j'ai juste à changer les axes et les murs vont s'ajuster en conséquence. Donc, je vais lui dire maintenant de dessiner les murs extérieurs à partir de la face intérieure. Il monte au niveau 2, pas d'offset, chain, tout est beau. On est prêt pour commencer, puis on commence de là. J'ai juste à snapper sur les coins. C'est là que je sauve du temps. Je n'essaie pas de travailler dans l'incertitude et chercher où est-ce que je suis exactement.
Donc, voici mes quatre murs sont faits. J'aurais pu faire un rectangle. Hein? Pas besoin de faire ça comme ça. Maintenant, on va faire tout de suite le deuxième mur. On va faire les fenêtres après. Donc, on s'approche. Je prends la mesure. Donc, ça, c'est 4 pouces. Ça commence à avoir de l'allure. Tout est possible. Donc, je vais aller dans le mur. Je vais voir s'il y a un mur de 4 pouces. Il y a un mur de briques. Ah. Je vais juste aller dans celui-là. Faire Edit Type. Créer un nouveau. Il veut dire ce nouveau, il va être 4 pouces. Aller dans Edit. Le changer à 4 pouces. Je peux changer n'importe quand que je le veux. Je retourne et je l'arrange. Donc maintenant, on va dessiner sur le centre, sur le Wall Center Lines. Et je commence avec ce mur. J'y vais de l'axe, à l'autre axe. Donc là, il est intégré. Par la suite, je vais en ajouter les autres murs entre. Je m'approche un petit peu pour voir, est-ce qu'ils ont l'air trop larges? Si le mur est trop large, je peux le faire plus petit. Ok, je commence à penser que peut-être que le mur, il est un peu trop large. Peut-être c'est supposé d'être 3 pouces et demi. Donc, comme j'ai créé mon propre mur, c'est tout à fait facile à faire. J'ai juste allé ici, et j'ai créé 3 et demi. Ça prend 2 secondes. Ils sont centrés de toute façon, donc ils vont devenir plus petits automatiquement. Je vais cliquer sur ce mur pour voir. Je suis. On regarde ici. Il est 3,5. Si 3,5, c'est... je peux aller maintenant dans wireframe, comme ça, et afficher en médium. Comme ça, ça peut me permettre de voir le mur exactement. Regardez comment il est légèrement trop grand encore. Donc, je vais aller le mettre à 3 pouces. Et en passant, je vais lui changer le nom parce que là, son nom n'est plus... Idéalement, moi, j'appelle jamais mes murs avec la largeur. Je les appelle normalement mur intérieur ou... murs extérieurs et ainsi de suite. Je leur donne des types de murs. Et plus encore, je leur donne des types spécifiques. Donc, c'est bel et bien 3 pouces, la largeur. Ça, c'est la bonne largeur. On voit bien que ça fit parfaitement. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, ma prochaine étape serait de faire... Ça, c'est des murs différents parce qu'ils sont en élévation. Mais en réalité, c'est le même mur de 3 pouces, c'est juste qu'ils ne montent pas assez haut. Donc, normalement, ils vont monter de 4 pieds. Donc, je peux prendre le même mur ou je peux créer d'autres murs. Mais pour l'instant, ce n'est pas grave. Donc, je vais aller dans le mur et je vais juste lui dire « Unconnected ». On va aller ici, taper « Unconnected » et lui dire que c'est 4 pieds de haut. Et je vais lui dire de le faire du côté extérieur. Donc, c'est exactement ce que je pensais. Et maintenant, je vais prendre la mesure. D'ici jusqu'à ici, c'est 5 pieds. C'est parfait, ça. Donc, là, ce que je vais faire avant de continuer, je vais commencer par faire offset. Ou autre façon. Vous savez, il y a beaucoup de façons de faire le même travail. Donc, c'est peut-être légèrement plus petit que 5 pieds, mais probablement ça aurait dû être 5 pieds. C'est de ma faute que probablement si je savais exactement c'est quoi les mesures ici, j'aurais pu encore l'élargir un petit peu, mais on est très proche là. Si je vais être exactement comme sur ce dessin. Donc, je vais dire peut-être que c'est probablement 4 pieds 11 pouces. Mais normalement, je dirais que c'est supposé d'être 5 pieds. Regardez, on est plus proche de...
4 pieds, 11 pouces et demi. C'est bon, hein? Maintenant, ce qu'on va faire, on va dessiner le mur qui va venir ici. Comme ça. Je vais taper sur spacebar pour le tourner. Et je coupe tout ça en plein milieu. Donc, si je regarde maintenant en 3D pour voir tout ça. C'est parfait. On va retourner en plan. Et maintenant, en plan, je vais juste placer mes fenêtres. Je vais placer mes fenêtres pour... OK, c'est bon. Donc, on va aller chercher ce type de fenêtres. Donc là, pour le moment, moi, je vais aller chercher juste des fenêtres typiques, des fenêtres fixes. Je vais prendre la mesure. C'est à peu près 5 pieds. 5 pieds, donc je vais aller dans les fenêtres voir s'il y a des 5 pieds. 5 pieds, c'est 60 pouces. Donc ça, c'est 57. Ça, c'est pas loin. Mais moi, j'aimerais avoir des fenêtres fixes. C'est mieux. Je vais prendre la chance de faire l'autre family et voir si on peut trouver quelque chose d'un peu mieux. Ici. Donc, des fenêtres fixes. Je pense que les fenêtres n'ont pas de division. Donc, ils ne sont pas supposés d'avoir de division. OK. On va regarder encore. Laquelle je vais prendre. Donc, finalement, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Je peux faire ma propre fenêtre. Alors, ça, c'est vraiment une petite fenêtre. Donc, ce que je vais faire, je vais la placer puis je vais changer ses dimensions. Attention, quand vous placez une fenêtre, vous pouvez la mettre des côtés intérieurs ou extérieurs. Là, il faut le mettre des côtés extérieurs. Comme ça. Vous avez ici des flèches. On clique dessus. On va voir si les flèches peuvent suivre. Oui, c'est fait pour suivre. C'est bon. Alors, si je regarde les dimensions, je vais aller dans les détails pour voir, c'est rendu 48 pouces maintenant. Donc, défaut still height 3 pieds. On va descendre voir sa largeur. Donc, la largeur, je vais lui dire 60 pouces, 5 pieds. Et la hauteur, je vais lui dire, si on commence de 3, donc ça va être 4 pieds. Et normalement, dans un bureau, c'est quasiment pleine hauteur. Donc, je vais mettre 6 pieds. Puis, on va lui dire de commencer à un pied du sol. OK. Donc, je regarde maintenant. Je vais aller en 3D voir de quoi il a l'air. On va faire juste un parce qu'après... Ici, il n'a pas changé. Je vais retourner voir. Un pied du sol. 5 pieds, 6 pieds. Pourtant, il n'a pas changé. OK. Tu peux le faire directement dans les paramètres. Oui, oui. Non, je le sais. Mais moi, je vais le changer ici. C'est toujours... je vais savoir pourquoi je le change et il ne change pas. T'sais. Probablement, je le sais pourquoi. C'est parce que j'ai changé vers les paramètres manuels. Donc, je vais retourner au plan. Je vais mettre la fenêtre. Et cette fois-ci, je ne vais pas la changer manuellement. Je vais juste la placer de même. Aller ici.
et lui dire directement qu'il est à 1 pied 5, 6. C'est étrange, je supposais ici de me laisser le faire. OK, venez ici, puis on va le changer ici. Donc, la hauteur, on va le mettre 6 pieds, puis la largeur, on va lui dire 5 pieds. On va le faire apply. Puis par la suite, le head height, on va lui dire que ça va être 7 pieds, parce que étant donné que la hauteur va changer, on va regarder tout ça en 3D. OK, on va le faire de nouveau. 6, 5, et on va aller complètement bas 7. Comme ça, voilà. On finit par le voir. Donc, on fait cette fenêtre une fois, comme ça. Ça a l'air bien pour un bureau. Si le bureau il est sur le niveau du sol, on va aller sur le niveau 1. On va l'ajuster pour que la distance soit logique. Là, présentement, le centre est à 4 pieds 2 pouces. Donc, je vais jouer avec ça, peut-être, je vais dire 4 pieds 4 pouces. Ça va pas. Donc, c'est 4 pieds 3 pouces. Et là, il est centré. Ça se peut que la grosseur de la fenêtre est supposée d'être un peu plus grande. Mais je vais rester avec 5 pieds, c'est standard, distance de 4 pieds 3 pouces. Donc, maintenant, on va copier ça. 1, 2, 3, 4, 5 fois. Donc, on va prendre la fonction array. Et je vais le prendre. Je peux le prendre du milieu au milieu ou du côté. Donc, il y a toujours plusieurs possibilités. On va voir. Probablement, ça va être quelque part ici. Maintenant, on peut l'ajuster au fur et à mesure. Je vais lui dire, j'en ai 5 fois. Et je m'approche pour ajuster la fenêtre exactement au bon endroit. Comme ça. Oui, ils ne sont pas à la même distance. Là, la dernière fonctionne, celle-là, elle ne fonctionne pas. Donc, on pourrait faire après chacune toute seule. J'aurais pensé que normalement, ils vont s'arranger pour qu'ils soient parfaitement au même endroit, mais ce n'est pas fait. Et nous, on va les laisser comme ça à distance égale. Donc, la même fenêtre, je vais lui dire en groupe. Je vais la sélectionner, je vais dire Create Similar. On va aller la placer de l'autre côté. Comme ça. Et maintenant, je vais encore une fois copier. Cinq fois. Voilà. Et maintenant, ce que je peux faire, je vais aller sélectionner toutes ces fenêtres-là. Je vais faire Tab pour les sélectionner en même temps. Non, Tab. OK. Donc, je choisis la fenêtre et je lui dis en groupe. Je vais les engrouper. Celle-là, je vais tout simplement l'effacer. Et comme ça, je peux venir contrôler cette fenêtre toute seule, la placer au bon endroit. Si je regarde et je vois, puis je me dis, non, le centre au centre est supposé d'être plus, mais je l'ajuste en conséquence. Comme ça, présentement, c'est 7, 3 et demi. Donc, je me dirais, c'est probablement 7 pouces et 3. Comme ça. OK. Et là,
Je pourrais mettre la même fenêtre. J'ai choisi la fenêtre. Je vais lui dire Create Similar. Je vais la placer ici. Je vais placer une de l'autre côté. Bon, on a fini avec les fenêtres. Oui, Save Project. Très bien. Maintenant, je vais placer les portes. Donc, on va aller dans Portes. Je ne vais pas prendre ça, les portes de chambre à coucher, faire l'autre family. On va aller chercher des portes un peu plus belles. Donc, on va aller dans Doors. Ici, on va aller dans Commercial. Donc, on peut prendre des portes comme ça pour les salles de conférence, mais préférablement vitrées. Les portes vitrées sont plus belles. Donc, des portes comme ça, c'est vraiment bien. Au moins pour les bureaux. On va commencer avec ça. On va prendre des portes de 3 pieds de large, puis une hauteur de 7 pieds 2 pouces, quelque chose comme ça. Ça, c'est bon. On va placer ces portes ici. Vous voyez, la porte est trop grande. Donc, c'est bon, on peut retourner. On va faire l'autre family. La même porte. Mais cette fois-ci, je vais prendre quelque chose de plus petit. Mais je pense que depuis 6 pouces, ça va être trop petit, honnêtement. Ça, c'est 36. On va prendre celle-là de 30 pouces. Ah, spacebar. Ah, c'est parfait ça. Et regardez, cette porte, elle a un cadre énorme. Si jamais on veut modifier la porte, c'est possible de le faire. Ouais. J'aime pas du tout le cadre. Je suis intéressé de voir en 3D de quoi il a l'air. Les cadres, si vous cliquez dessus puis vous décliquez Masonry Frame dans les propriétés, il va se placer dans le mur. Masonry Frame à gauche, juste là. Dans Construction, le troisième Masonry Frame. Dans la propriété? Oui. Là, à gauche. Oui, ici. Il y a Masonry Frame, vous décliquez. Non, descendez pas. Masonry Frame. On l'enlève. Si vous décliquez, la porte, elle se place. Donc, moi, ça a fonctionné, elle se place dans le mur. Ah oui. Ah, parce qu'il avait, il avait un frame de maçonnerie. C'est une porte qui peut aller dans la maçonnerie. Mais oui, c'est super pour ça. Hey, merci pour l'info. Pas de problème. Maintenant, pour les cadres, pour le poignet de la porte, si vous voulez la voir quand vous êtes en 3D, juste allez-y dans Find. OK? Lorsque vous allez dans Find, vous allez voir le poignet. Là, la porte, maintenant, elle est super belle. Et ça tombe à la même hauteur que les fenêtres. Donc, c'est très bon. On va aller sur le plan, finaliser ça. Donc, on va dans Porte. La même porte. On va faire spacebar. Comme ça. On va enlever le frame. On va enlever le frame pour celui-là. Voilà. Et c'est bon ça. Maintenant, cette porte, si elle est supposée d'être plus grande, il est toujours possible de la sélectionner.
hein? Et on peut la faire un peu plus grande. Et si vous voulez changer ses dimensions, il vaut mieux peut-être la dupliquer si on veut qu'elle soit plus grande que 2 pieds 6 pouces. Moi, je fais dupliquer. Plutôt que 30, je vais lui dire, par exemple, c'est 32. Puis ici, je vais le changer à 8 pouces. Ça fait que seulement cette porte-là, elle va être la 32. L'autre, elle est correcte. Ou peut-être qu'aussi, on peut la changer à 32. Donc, la 32, elle est ici maintenant. Ça tombe parfait maintenant. Donc, ici aussi, on va mettre la porte. Donc, on va la placer de même vers l'extérieur cette fois-ci. Elle est rentrée. Et ici, on a des portes doubles. Donc, les portes doubles, on n'aura pas le choix. Il va falloir chercher des portes doubles. Donc, on va faire l'autre famille. Et je crois qu'on n'en a pas. Ça, c'est le seul vitré. Les autres ne sont pas vitrés. Ce sera le fun de faire, où on peut chercher des beam objects s'il le faut. Donc, on regarde, on a tout cherché la hauteur de 7 pieds au niveau de la hauteur. Au niveau de la largeur, maintenant, on va prendre 7 pieds aussi, peut-être 7 par 7. On va essayer ça. Non, ça a l'air, c'est trop grand. On va la rendre plus petite tantôt. Et ça ici, même ici, c'est trop grand. C'est normal parce que c'est plutôt 6 pieds. Donc, on va faire chercher la porte encore. On va voir si elle existe en 6 pieds. Oui, elle existe. 6 pieds par 7, c'est bon. Donc, on va placer ça. Il faut changer la bonne ici, à 72. Donc ça devrait tomber parfait parce que nous, on a choisi la porte à 6 pieds. Et ici aussi, ça tombe parfait. Donc, cette porte, la même affaire, on va aller chercher les masonry frames comme votre collègue a suggéré. Et ici aussi, on va le faire. Comme ça, ça tombe bien. Bon, les portes sont finies. Bon, c'est sûr qu'il nous reste les toilettes, mais les toilettes, je ne vais pas les faire. Moi, je ne vais pas les faire, vous allez les faire. Parce que moi, je ne suis pas obligé de les faire. Regardez ça. Cette porte-là n'est vraiment pas belle. C'est pas comme les types de portes qu'il faut mettre ici. Ici, ça va, mais là-bas, non. Même ici, ça ne va pas. Ça a l'air comme des portes. En tout cas, si vous trouvez des plus belles portes, de meilleures portes, changez-les. Très bien. Donc, moi, ce que je vais faire maintenant, je vais aller me pencher vers l'éclairage. Vous terminez ce dessin, vous lui faites ce qu'il faut pour qu'il soit prêt. Faites bien ce travail parce que lorsqu'on va travailler sur les matériaux, on va travailler sur le même projet. On va venir mettre des matériaux dessus, l'embellir et tout ça. Donc, on va aller maintenant en plan. Je vais faire un plancher. Donc ici, on va faire floor. Et maintenant, je pourrais me servir des axes que nous avons déjà pour faire mon plancher. Donc, je vais faire rectangle, comme ça. Le type de plancher, pour le moment générique, c'est correct. OK. Et je vais tout de suite faire un plafond. Donc, je vais prendre le module plafond. Je vais pas prendre automatique, je vais prendre sketch. Là, il me dit la hauteur à 8 pieds. 8 pieds, c'est peut-être trop. Oui, 8 pieds, absolument. Il faut le mettre à 8 pieds. Donc, on va prendre 8 pieds, peut-être même 9 pieds pour un bureau, c'est correct. Mais on va aller avec 8 pieds. On va prendre un rectangle. Et on dessine le tout. Maintenant, la réalité du plafond, c'est que tu fais pour chaque espace un plafond différent. C'est comme ça qu'il faut faire le plafond.
Donc, normalement, pour aller vite, on a tendance à faire un plafond pour tout le monde. Puis là, le plafond passe à travers le mur. Mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est que tu dessines ton plafond pour chaque espace tout seul. On peut, par exemple, sketcher. Ou ce qu'on peut faire, on peut le faire avec un pick-lint. Donc, ça, c'est un plafond. Le plancher, on ne fait pas ça. Parce que le plancher, il faut aller partout. Et par la suite, c'est juste la texture par-dessus le plancher que tu changes. Mais les plafonds, chaque espace, il a son propre plafond. Parce que les murs coupent les plafonds. Donc là, on a un premier plafond ici. Je vais m'approcher. Je vais faire le deuxième. Je vais juste prendre un rectangle pour ce cas-ci. J'aime le fait qu'il arrive vite. Lorsque tu lâches ton curseur, il n'arrête pas de dessiner. Ça me permet de faire un pan. Donc, lorsque tu dessines un rectangle, tu cliques une fois, puis là, le rectangle, il veut continuer à faire, puis après, tu peux panner, tu peux faire des pannes. Donc là, j'ai terminé ça. Je m'approche ici, je vais faire la même affaire. Et ça, là, cette méthode de faire le plafond comme ça, c'est qu'on peut avoir des plafonds de différents types pour chaque pièce. Comme ça, on peut avoir un plafond de gypse pour une pièce, un plafond suspendu pour l'autre. Dépendamment de chaque endroit, on peut faire quelque chose de différent. Donc, les plafonds, c'est extrêmement important pour l'éclairage. Regardez bien, vous avez des fenêtres. Ce n'est pas des rideaux, probablement, ça a l'air plutôt des fenêtres. Donc, vous pouvez ajouter ces fenêtres dans le mur. Et finalement, le dernier maintenant, aller dans architecture, ceiling et sketcher le dernier. Voilà, très bien. Et là, on le termine, on va le dire, c'est fait. OK, maintenant que nous avons le plafond, lorsqu'on regarde avec un plan réfléchi, c'est ce qui s'appelle le ceiling plan, on va voir tous les plafonds. Si il y a un des plafonds, il ne nous plaît pas, on peut faire tab sur le plafond, le sélectionner, et on peut changer les types de plafonds que c'est supposé d'être. Donc, pour le moment, ça a l'air beau, honnêtement. L'orientation est belle. Peut-être, si la salle de conférence, c'est juste pour le fun, on veut le faire deux par deux. Puis peut-être la toilette, et ça c'est la toilette. On peut mettre un plafond en gypse. Donc, maintenant, nous avons tous nos plafonds de fait. La prochaine étape, nous allons placer notre éclairage. Donc, pour placer l'éclairage, on va travailler sur une partie, comme je disais, pour que vous continuiez le reste chez vous. Donc, chez vous, j'aimerais que vous travailliez minutieusement certains détails. On veut s'approcher de la qualité d'un projet. C'est comme si on vient d'avoir un projet, on l'a commencé il y a à peine 50 minutes, mais déjà notre plan, il est travaillé, il est pas mal beau. Puis là, on pourrait développer un détail, le copier partout, travailler sur un détail. Puis j'aimerais ça que vous allez dans BIM Object, vous cherchez, vous vous habituez, j'aimerais voir des produits nouveaux, autres que ceux des Revit. Cherchez des BIM Object, des belles affaires, placez-les, prenez cette habitude pour que vous voyez que votre projet d'atelier peut être fait aisément de cette façon. Donc, regardons qu'est-ce qu'on a maintenant. Pour commencer, c'est sûr que notre appareil d'éclairage, il faut qu'il fitte dans le plafond. Donc, je regarde cet appareil d'éclairage et je vais prendre la mesure. Il est 2 pieds 3 pouces, donc 2 pieds et un quart.
par 3 pieds et demi. 3 pieds, 3 pouces. Donc, normalement, ces appareils d'éclairage, il faut qu'ils soient intégrés dans un module. Le problème, c'est que je regarde, puis on dirait que cette luminaire est placée ici, mais il n'y a pas un double ici. Donc, la distance d'ici à là, ce n'est pas une distance double. Donc, j'essaie de penser à ce dessin, il est pas. C'est comme, c'est quoi la procédure qu'ils ont faite pour faire ça? Ici, c'est des suspendus, si je ne me trompe pas. Donc, ce n'est pas un problème. Mais ici, il dit que c'est modulaire. Et je ne vois pas comment ça peut rentrer dans le plafond de cette façon. Donc, à moins que le plafond soit tout en gypse et ils ont incorporé ces éclairages, ces appareils d'éclairage de cette façon. Une chose que je peux faire maintenant, je peux me faire, par exemple, des lignes d'axe pour savoir où est-ce qu'ils se trouvent mes appareils d'éclairage. Donc, mes lignes d'axe, je ne suis pas obligé de les faire nécessairement comme des vraies lignes d'axe. Je peux dessiner juste des lignes puis placer des lignes pour dire que j'ai, par exemple, des appareils d'éclairage qui se trouvent à ce niveau. Puis un autre qui se trouve à 3 pieds, 3 pouces. C'est pas 3 pieds, 3 pouces. Et 2 pieds, 3 pouces. Oui. C'est même pas 2 pieds, oui, à peu près. Donc, mes luminaires sont ici. OK. Donc, on va essayer de les placer aux mêmes endroits. Je vais prendre ces deux lignes et je vais faire miroir. Donc, comme vous voyez, je suis en train d'essayer de trouver une logique. Donc, j'ai fait un miroir maintenant de l'autre côté pour que je puisse savoir comme exactement quoi faire. Maintenant, ce que je peux faire, plutôt que de dessiner les côtés, je peux dessiner le centre seulement, donc le centré. Mais de toute façon aussi, utilisez votre jugement, puis vous dites-vous, est-ce que ces luminaires sont vraiment bien placées, est-ce qu'elles sont belles? Moi, j'aurais préféré peut-être placer 2 ici, 2 là, 2 là et 2 là. Allez les aligner avec les postes de travail et les centrer. Donc, j'aurais tendance plutôt à aller vers ça. Donc, je vais aller sur le plan de plafond et cette fois-ci, je vais aller dans Underlay et lui dire, montre-moi le niveau 1 en arrière. Voilà. Donc, avec ça, si je regarde maintenant, voir qu'est-ce que je peux faire. Si je place ma lumière ici, OK, ça ne fonctionne pas vraiment. Si je choisis ce plafond, donc si je déplace mes lignes pour essayer de trouver une ligne de centre, regardez comment vous avez juste à déplacer la ligne comme ça et il va ajuster les lignes. Vous pouvez aussi le faire dans l'autre sens. Donc, si je place, par exemple, cette ligne parfaitement en plein centre, okay. Ça aide pas. Je vais aller voir dans les 2x2. Est-ce que ça peut aider? Trouver comme un autre système, un système Monsieur, différent. J'ai l'impression que selon le schéma, j'ai l'impression que les luminaires ne sont pas encasquées sur le plafond.
ça a l'air de luminaire suspendue parce que ça n'a pas le même quadrillage que le quadrillage du plafond. C'est possible, mais même si elles sont suspendues, c'est toujours plus beau qu'il y ait une relation avec les panneaux placés sur le plafond. Donc, j'essaie de trouver juste une logique pour que lorsqu'elles soient placées, que ça donne une logique quelconque. Donc, je vais retourner à 2 par 4, comme ça. Et c'est sûr qu'en bas, je vais aligner ça avec le mur. Parce que le plafond, il faut que ça soit aligné. Ici, par exemple, ça ne peut pas être ça. Donc, le plafond doit être aligné sur ce côté. Une partie comme ça, ça peut être acceptable. Mais une petite partie, ce n'est pas acceptable. Si on veut aller, comme vous voyez maintenant, les lignes que j'ai dessinées, les voilà. Les lignes que j'ai dessinées pour aligner la lumière. Donc, on les voit parce que j'ai regardé en underlay. C'est suffisant pour moi pour me placer. Donc, maintenant, d'abord, plaçons des lumières suspendues ici. Donc, on veut chercher des lumières suspendues. On veut savoir quel type de lumière on doit chercher. Donc, si je retourne dans, je vais dans Component, je vais aller dans l'autre family. On va voir avant ce que Revit nous offre. Si on ne trouve pas ce qu'on cherche avec Revit, on va aller chercher dans Beam Object. Donc, on va aller dans Lighting. Ici. On va aller dans Architectural, Internal. Et vous allez voir que ça, c'est le luminaire que nous avons avec Revit. Donc, dans ces luminaires, nous avons les Ceiling Light. Ça, c'est les lumières qui s'accrochent sur le plafond. Appelez ça les ceiling lights comme des plafonniers. Ils ne coupent pas le plafond, mais ils ne sont pas suspendus. C'est ça les ceiling lights. Et si j'ai des downlights, donc c'est des lumières qui regardent vers le bas, il y en a 3. Il y a rectangulaire. Je ne sais pas pourquoi c'est trop petit. En tout cas, c'est view, thumbnails, ouais, mais c'est trop petit. En tout cas. Donc, downlight. Nous avons ici rectangulaire, round et spot. Ensuite, j'ai emergency light, floor lamp. Donc, c'est pas ça. Là, ici, on a pendant light. Donc, c'est ce que nous voulons. Un pendant light, une lumière suspendue. Nous avons ici hard glass. Ici, il y a pendant lamp, fusiforme. Donc, la forme est comme ça. Ici, nous avons avec un disque. Donc, ça, c'est juste une petite luminaire. Ici, nous avons une linéaire. Par la suite, les recess lamps, ce sont des lumières encastrées. Donc, c'est pas, on ne veut pas faire des encastrés. Puis, ici, vous avez le studio light. Et ici, on avait des troffers. Donc, le troffer, c'est ceux qui s'accrochent normalement sur... sur des panneaux. Et ça, c'est uplight, regarde vers le haut, et le wall lamp. OK. Donc, ce qu'on va faire, on va chercher, je vais commencer avec un ceiling light flat. Je vais commencer avec ça. Et au fur et à mesure, on va essayer les autres luminaires. Donc, on va tester les luminaires une par une. Donc, cette lumière, elle peut être bien pour la toilette, par exemple. Je vais placer juste une ici. Donc, cette lumière, elle ressemble, si je regarde sur le plan, à ça. Ça, c'est suspendu, ça descend vers le bas. Ça, c'est pas suspendu, c'est accroché sur le plafond. Donc, je regarde ma première lumière. Il faut, par exemple, que je dessine mes murs pour que je vois exactement où il est placé. Les lumières suspendues ici. Donc, je vais aller ici dans le plan. Regardez, il y en a 4. Donc, ces luminaires, je pense que je vais prendre celle que j'ai amenée de Beam Object. Donc, on va aller chercher à partir de mon document. Et ici, je vais aller dans mes modèles que j'ai cherchés tantôt. Je
pense que c'est celle-là. C'est cette lumière-là. OK? Donc, je vais la placer et voir qu'est-ce qu'elle me donne. Il va la convertir, c'est bon. Et là, il la place. OK. Donc, ça, c'est comme ça. Je vais m'approcher, la placer, la centrer comme il faut. Disons que je mets une ici. Je vais placer juste une. Et après, je vais copier le reste. Donc, je vais faire une caméra pour que je puisse voir. On va aller dans le niveau ici. OK. Donc là, il est suspendu, mais elle, on ne voit pas ces éléments de suspension. Right. Donc, je vais voir qu'est-ce qu'elle a comme élément, parce qu'on la cherche, on ne la connaît pas. C'est fait par quelqu'un d'autre. On aimerait savoir comment il l'a fait. Les matériaux, il fait en bois. Ici, il dit de combien ça descend. La longueur est de 5 pieds. Light source, il est à 4 pouces de la lumière. Identity, ben ça c'est la largeur. OK. Donc on descend un petit peu pour voir d'autres éléments. Il dit d'où est-ce qu'on peut la chercher. OK. Là ici, c'est sa capacité de lumière. C'est ça, c'est qu'on va voir tantôt. On va essayer de comprendre ça. Puis par la suite, ça, où est-ce qu'ils le vendent et tout ça. OK. C'est bon. Mais je regarde l'objet ici, puis il n'a pas l'air d'avoir les lignes de suspension. C'est comme, il le montre avec des lignes de suspension, mais il n'y a pas de lignes de suspension qu'on peut comme allumer. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose de mal fait avec cet objet-là. Ici, vous pouvez le grouper, mais on n'est pas encore là. Puis, that's it. Donc, cette lumière, je pense qu'elle ne va pas fonctionner. D'après moi, elle n'est pas une bonne lumière parce qu'elle n'est pas assez détaillée. Il manque des éléments dedans. Et si ils ont plusieurs dimensions, donc ils en ont plus petit. Mais voilà. Donc, ça, c'est une luminaire. Je vais aller maintenant chercher une autre. Si je vais dans Component, je vais aller dans l'autre family. Et cette fois-ci, je vais aller dans ma librairie. Je vais chercher cette lumière pour voir si elle est vraiment bien et si elle est fonctionnelle. Et celle-là, je vais la mettre dans l'entrée. Et on va attendre qu'elle la convertisse. Très bien. On va placer ça quelque part ici dans l'entrée. Maintenant, ce type de lumière, c'est une lumière libre. Elle peut être placée sur le plafond, sur le mur. Ça n'a pas été spécifié. C'est pour ça que, comme vous la voyez, elle peut s'installer sur n'importe quoi. Regardez là, elle est sur le mur. C'est ça, c'est que lorsqu'on regardait les trois types de lumière, il y avait scene and light, il y avait wall light, et il y avait juste fixture. Ça, c'est juste une lumière fixture. Maintenant, qu'est-ce qui arrive ici? Vous avez trois façons de la placer. À cause qu'il est libre, il nous donne les trois options. Est-ce que je vais le placer sur un vertical face ou sur une face ou sur un workbench? Donc, je vais lui dire de le placer sur la face, comme ça. Disons qu'on va la placer ici, je ne sais pas où est-ce qu'on va la placer, elle est vraiment grande. On va la placer ici. Et maintenant, je vais générer une vue pour voir de quoi ça a l'air.
OK. On va essayer de voir, regarder en réalistique pour voir de quoi ça a l'air. On est comme en haut, hein? On était en haut, on ne pouvait pas voir. OK, donc le voilà. Je vais aller dans ma vue de caméra et ajuster la hauteur. Ici. Donc, je vais lui dire que je suis à 5 pieds, puis je regarde vers 5 pieds. Donc, la lumière, elle s'est bien installée, mais c'est une lumière qui a besoin de beaucoup plus d'hauteur. Vous voyez? Elle n'est pas faite pour un étage de 8 pieds de haut. C'est fait pour une entrée peut-être d'hôtel, quelque chose de très haut, de gigantesque. Donc, mais au moins, on l'a testé. Vous avez vu comment elle fonctionne. Ça donne une idée. Donc, je vais l'effacer et on va prendre une petite pause. Pendant cette pause, maintenant, pensez à les types de luminaires qu'on va chercher, qu'on va placer et comment on va les placer, parce que c'est comme ça que vous allez continuer votre travail. Moi, je vais vous expliquer les paramètres ou les paramètres partagés pour que vous puissiez contrôler les luminaires. Alors, prenez comme peut-être jusqu'à 22, 23, puis on se voit dans 10 minutes. Allez, à tantôt. Monsieur, j'ai une petite question. Attendez deux secondes. Oui. Je me demandais si aujourd'hui il y avait un test concernant la matière. Est-ce qu'il y a un test à la fin du cours? Non, il n'y a pas de test. OK, parfait. OK. Donc maintenant, sur le plan. Ce que nous allons faire, on va aller dans les luminaires, components, chercher une famille. Et on va commencer par entrer les encastrés. Donc, les luminaires encastrés, comme vous voyez, il y a le Trophor Light 2x2, il y a le 2x4 et il y a ce qu'on appelle le lens. Donc, prenons un 2x4, comme ça. Et on va placer ça, on va créer comme une grille ici. Donc, disons que la première lumière, elle va être dans ce coin ici. Pas le pendant light, là. On va prendre le troffer. Donc, spécifier, faites attention lorsque vous choisissez la lumière. Si jamais lui, il va prendre une spécifique. Donc, faites l'autre family. Vous cherchez la lumière 2x4. Donc, s'il si ne l'amène pas directement, déroulez ici et allez-y le chercher par vous-même. Donc, ici, ça c'est Parking Space, c'est pas le Parking Space. Ça c'est le Pattern. OK, on descend en bas, peut-être c'est complètement en bas. Encore, et le voilà, elles sont complètement en bas ici. Donc, je vais prendre 2x4. 4 luminaires dedans. Puis, ça, c'est supposé de rentrer parfaitement dans le module de plafond que j'ai fait. Mais comme je suis, c'est difficile à le placer parfaitement au bon endroit. Regardez, ça snap tout partout. Et le snap, il vient du centre. Placez-le quelque part à l'extérieur, comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, on prend la commande Align. Et on va aligner avec cette ligne ce côté et avec cette ligne ce côté. Comme ça, si je m'approche, la lumière s'est parfaitement alignée. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si je le lock et aussi ce côté, lorsque je l'ai fait, je le lock. Ce que ça fait, c'est que lorsque tu choisis ton plafond et tu le déplaces, la lumière se déplace avec.
elle est loquée avec maintenant. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Moi, j'ai mis une ici, je vais l'effacer pour le moment. Et je vais faire array de cette lumière-là. Je vais sélectionner la lumière avant. Je vais faire array. Et je vais le placer à cette distance et je vais en mettre 3. Donc, comme ça, j'aurais suivi au moins une logique, contrairement à ce que le dessin original, ça ne semblait pas avoir une logique pour moi. Et maintenant, vous voyez, toutes les 3 luminaires, elles vont suivre. Comme la première, elle a été loquée, elle a été faite array. Les autres suivent la première est connectée aux axes, donc tout le monde suit. Je prends maintenant le 3 et je vais faire, je peux faire array ou je peux faire une duplication normale. Je vais prendre à partir de cet axe, par exemple, et je vais aller jusqu'à cet axe. Comme ça. Donc, dans ce cas-là, c'est ce que j'ai terminé. Si je prends maintenant cette ligne et je la déplace vers la hauteur, ils vont tous monter ensemble. Donc, je vais faire une perspective de face pour voir tout ça, de quoi ça a l'air maintenant. Donc, je crée une perspective comme ça. Et si j'ai une autre lampe, je vais effacer cette lampe, pas de rapport, comme ça. OK. Là, ma perspective, elle est comme, elle ne va pas jusqu'au fond. Donc, je vais l'arranger pour qu'elle regarde jusqu'au fond. Je vais aller dans les propriétés de la perspective. Et je vais lui dire mon far clip, qui est 22 pieds maintenant. Je vais le mettre peut-être à 40 pieds. Donc, comme ça, je peux voir jusqu'au fond. Et vous voyez comment les luminaires sont parfaitement intégrés dans le plafond. Donc, ça, c'est la première chose. Vous allez continuer ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais choisir mes luminaires. Je dois ingrouper ça. Les luminaires, c'est mieux qu'ils ne soient pas ingroupés. Je peux lui dire aussi « sélectionne les similaires ». Donc, je vais dire « select all instances ». Et je vais tout lui dire en groupe. OK? Maintenant, avec toutes ces luminaires sélectionnées, regardez qu'est-ce qu'il m'apparaît ici. Light, group. Je vais dérouler ça et je vais lui dire nouveau. Puis, je vais faire nouveau groupe que je vais l'appeler entrée. Donc, ces luminaires, elles sont présentes dans l'entrée. Comme ça, si j'ai fait un rendu ici, elles, je vais les activer. Donc, lorsque vous allez dans View Render, et je viens pour regarder mes luminaires, je vais lui dire que je vais rendre intérieur avec Artificial Only. J'ai ici Artificial Light. Clique dessus, je vais voir mes groupes. Donc, si je lui dis, par exemple, tout ça, je ne veux pas qu'il allume, c'est seulement l'entrée qui va allumer. Donc, seulement mes luminaires de l'entrée. Si vous n'aviez pas de groupe, vous auriez eu les luminaires une par une partout. Alors, moi, quand je vous groupe vos luminaires, comme ça, vous pouvez lui dire lesquels vous voulez voir selon le rendu que vous voulez faire. Est-ce que ce point, il est bien compris? C'est un point extrêmement important. Donc, maintenant, la prochaine étape, je vais retourner sur mon plan de plafond et je vais travailler d'autres types de luminaires. Donc, ici, par exemple, je vais enlever des luminaires que j'ai placés tantôt. Dans la salle de conférence, j'aimerais mettre des luminaires suspendus. Donc, on va aller voir qu'est-ce que Revit a. Mais, s'il vous plaît, allez-y chercher des affaires de BIM Object. Donc, je vais regarder le Truffer Light Lens. Donc, il va venir, le voilà. Donc, lui, c'est le Lens. Et lui, il est 2 par 4. Donc, on va aller voir. Les Lens, on en a de 1 par 4. OK?
Il y a de 1 par 4, il y a de 2 par 2. Donc, on va prendre 1 par 4 parce qu'il est plus mince, comme ça. Il ressemble un peu à ce qu'il y avait dans l'image. Encore une fois, il n'est pas centré. Donc, je vais les placer n'importe où. M'approche. Toujours le premier, je le place comme il faut. Donc, j'utilise Modify. Je vais le dire Align ça. Et par la suite, je vais l'aligner au centre aussi. Donc, je dis Align-moi cette ligne. Non. Je vais aligner au centre. Donc, pour l'aligner au centre, je pense que je n'aurai pas le choix que de dessiner une ligne qui va venir chercher le centre. Donc, si je cherche, je dessine une ligne ici, et à partir de cette ligne, je dessine le centre. Donc, maintenant, tout de suite, je vais effacer la ligne que j'ai dessinée ici parce que je n'ai plus besoin. Maintenant, si je veux le faire de nouveau, donc je vais le dire à ligne, sur cette ligne-là, le milieu de ça. Ça, c'est parfaitement centré maintenant. Et je lui dis « barre sur cette ligne ». La même affaire lorsque j'ai fait ici, je lui dis « de barrer ». Donc, maintenant, je vais tout de suite regarder ça en 3D, voir de quoi ça a l'air, si ça vaut la peine. Donc, on va aller voir. Donc, comme vous voyez, ce type de luminaire, c'est des encastrés, mais plus minces. Maintenant, je laisse ça ici et je vais aller vérifier des autres luminaires suspendus. Parce que ça se peut qu'on veut des suspendus ici. Donc là, on a mis un. Les truffers sont toujours encastrés. Donc, je vais aller dans Architecture Component. On va faire l'autre family. Et on va voir le pendant light. Donc, vous avez pendant ici, à partir de là. Ça, c'est un pendant light hourglass. Celui-là, je ne sais pas quoi. Donc, ça c'est un avec point light. Donc, c'est un disque. C'est comme une suspension qui porte un disque. J'ai ici un hémisphère. J'ai ici un linéaire. Donc, je vais essayer avec les linéaires. On va aller les chercher. Et on le place. Regardez, il ne l'a pas pris. Faites attention à ça. Donc, je vais venir ici et aller à la lettre P. Pendant light, les voilà, sont ici. Donc, le pendant light, j'ai des 48 pouces et des 96. Donc, je vais prendre un 48 pouces, comme ça. Donc, encore une fois, je vais le placer quelque part ici. Maintenant, moi, je connais la dimension. Je peux le centrer sur la ligne et après le déplacer. C'est possible. Sinon, je dessine une ligne en plein centre. Donc, je vais lui dire « Align ». Mais une chose certaine, il faut travailler avec précision. Il ne faut pas travailler n'importe comment. La précision, elle est très importante. Donc, je dessine la ligne ici. Ça, c'est deux pieds. Donc, je sais que le milieu, c'est un pied. T'sais, je vais le faire avec vous maintenant. Je vais faire « Align ». Je vais l'aligner sur ça à partir du centre. Et par la suite, je lui fais « Move ». Je l'ai choisi avant, bien sûr. Et par la suite, je vais lui faire « Move ». Désolé. « Move, move, move » ici. Je l'ai choisi. Je lui fais « Move ». Et voilà. Et je descends de un pied. Voyez? Là, maintenant, je sais exactement qu'il est centré. Et à ce moment-là, mais je peux aligner le côté. Le côté, il est déjà comme loqué, si je me rappelle bien. Comme ça. Non, il n'était pas loqué. Là, il est fait. Est-ce que je peux loquer ça aussi? C'est-à-dire ici, avec le milieu. Je peux, comme ça, il va bouger vraiment avec. Mais en hauteur, je ne suis pas certain. Moi, ce que j'aimais dans l'autre sens, c'est que
on pouvait le faire en hauteur aussi. Donc, cette lumière suspendue à la lueur du sol. OK? Maintenant, vous me dites, si je veux que cette lumière soit plus grande, plus haute, donc vous cliquez dessus, ou plus puissante, et vous allez voir avant les propriétés de l'instance. Donc, ce que vous voyez ici, c'est les propriétés de l'instance. Des propriétés propres à chaque duplication. Ce que vous voyez ici est des types, ce sont les propriétés du type, c'est-à-dire les propriétés de toutes les lumières qui sont semblables. Donc, si je regarde dans les propriétés du luminaire ici, je vois light source symbol size, case and length, donc c'est 4 pieds de long. Je descends un petit peu plus. Et si j'ai les photométriques. Alors dans les photométriques, j'ai présentement 40 watts à 78 lumens par watt. Ce qui veut dire que ce luminaire, il va produire 78 fois 40. Si ce n'est pas assez de lumière pour vous, vous cliquez ici et vous pouvez changer la propriété de l'éclairage. Donc, vous pouvez lui dire, par exemple, vous passez tout ça et vous allez directement ici, dans lumens, et vous lui dites, produis-moi plutôt 12 000 lumens, ce qui est énorme. C'est beaucoup plus, c'est à peu près 3 fois la capacité de cette lumière. Mais si vous voulez rentrer un chiffre spécifique personnel, vous pouvez le faire vous-même comme ça. Alors, vous pouvez changer la capacité d'éclairage de chaque appareil. Donc, c'est ça ce que je voulais vous montrer ici. Si vous créez le luminaire par vous-même, vous devez faire Share Parameters pour ça. Et si vous changez la couleur de la lumière, normalement, la couleur, elle est décidée en Kelvin. Donc, présentement, on est à 4230 avec cette couleur-là. Le light loss factor, c'est de 0.88. Donc, la lumière, elle va dégrader puis elle va perdre son intensité au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de 4.88 la perte. Donc, ici, j'ai light loss length, drop from ceiling, 2 pieds. Donc, si je lui dis, je veux 1 pied. Là, maintenant, il descend 1 pied du plafond. OK? Donc, si je le dis, j'ai levé à 3 pieds du plafond, je fais Apply, il va descendre plus. All right? Donc, ici, vous avez aussi les matériaux. Donc, vous avez 3 matériaux pour le tube, pour les tiges. Donc, ici, ceiling mount. Le ceiling mount, les espèces des cylindres avec les tiges. Les diffusers. Donc, ça, c'est les vitres qui illuminent, et j'ai le métal, le casing, donc le métal de la case. Donc, ça, c'est les choses de base qu'il faut apprendre. Après, c'est à vous de faire. Maintenant, ce que je peux faire, je peux prendre cette lumière, et je lui dis dans Light Group, nouveau Light Group, je vais lui dire salle de conférence. Donc, comme ça, au moment de rendu, je peux ne pas les voir. Mais si je regarde de l'entrée, ça se peut que je vais voir à travers la porte. Donc, je vais les laisser éclairer. Mais si je suis ici dedans, je n'ai pas besoin de voir la chambre de l'autre côté, par exemple. Donc, je retourne maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre à savoir? Si jamais il y a une pièce que ça ne me tente pas de l'éclairer au complet pour une raison X. Donc, je vais venir ici, à disons cette pièce-là. Mais vous ne faites pas ça pour votre projet. Pour le projet, je vais avoir des lumières partout. Je vais voir toutes des lumières correspondantes. Si vous ne trouvez pas ces lumières dans Revit, ça fait partie de l'exercice d'aller chercher des Beam Objects ou des Philips ou d'autres. Vous avez le droit d'ajouter d'autres lumières à votre pièce. C'est un exercice d'apprentissage. Donc, ajoutez le plus de lumière que vous voulez, mais il faut que ça soit
professionnel. Professionnel dans le sens que je ne veux pas des Mickey Mouse et des Spider-Man et des lumières. Je ne veux pas que ce soit des lumières placées un peu n'importe comment. On va faire ça comme je viens de faire. Des 6 lumières ici, c'est solide, c'est placé au bon endroit. Donc, commencez avec le plan que je vous ai fourni. Puis vous pouvez en ajouter d'autres pour tester d'autres façons de faire. Maintenant, la lumière studio. Ce que vous faites, vous allez dans encore, component, vous faites load family. Et ici, vous avez studio light. Donc, le studio light, on l'appelle dans le logiciel 3D lumière omni. Je vais la placer quelque part ici. Normalement, elle est placée à une certaine hauteur. Donc, je vais cliquer dessus et je vais aller voir c'est quoi ses propriétés. Regardez, elevation from level. Et maintenant, moi, je ne sais pas elle est sur quel niveau. Je vais faire une élévation, comme ça, une élévation intérieure. Donc, je place mon élévation ici. Et cette élévation-là que je viens de faire, je la choisis. Et je vais lui dire que c'est une interior elevation. Comme ça. Maintenant, comme c'est une élévation intérieure, je vais reculer un petit peu ici, elle vient avec un axe. Attendez, à moins que je ne vois pas l'axe correctement là. Je vais juste la placer. Ah non, en fait, je m'excuse, l'axe il est ici. Regardez-le. C'est celui-là. Donc, c'est quoi cet axe? C'est son axe de projection pour voir qu'est-ce qu'elle regarde. Donc, je vais la reculer encore. C'est comme une coupe. Donc, je vais cliquer dessus une fois. Là, présentement, son axe, il est ici. Allez. OK. Là, j'ai réussi. Regardez son axe, il est ici. Donc, cet axe, il regarde... Et comme placé un peu trop en avant, donc je vais aller l'ajuster pour le reculer. Donc ici, ça c'est le crop. Ça c'est comme far clip, clipping, et ça c'est far clip offset. Donc, je vais le changer. Donc, je vais dire no clip. Donc, cette ligne-là, elle est présentement comme elle dépend de cet objet, de l'élévation. Donc, l'élévation, là où elle est placée, il faut juste choisir le haut pour qu'elle. Là, il fallait le placer au départ au bon endroit. Je vais effacer cette élévation. Comme ça. On va le placer de nouveau. Donc, je vais aller dans élévation. Je vais la placer quelque part ici. Et par la suite, là maintenant, il l'a placé. Regardez où est-ce qu'il a placé la ligne. Il la place exactement au centre de l'élévation. Donc, si je lui dis « interior elevation », donc, il la place exactement au centre. Donc, moi, je vais m'ajuster pour qu'elle soit exactement au bon endroit. Ce que vous faites, vous la placez, admettons, ici. Avec Tab, je la tourne. Donc, maintenant, si je choisis, voici, c'est exactement là où je veux qu'elle soit. Alors, je dis, ça, c'est une élévation intérieure, puis elle regarde jusqu'ici. Bon, ce que je peux lui dire, je lui dis « go to view ».
Et comme ça, je peux voir l'élévation. Et ça, c'est ma lumière Studio Light. Donc, l'idée maintenant, c'est qu'on est en train de faire, c'est juste pour savoir ce Studio Light, il est, comment je peux savoir où est-ce qu'il est placé dans l'espace. Donc, normalement, je vais le passer, admettons, à cette hauteur. Et ce Studio Light, je vais aller dans ses propriétés. Je vais aller dans Edit Type. Et ici, je vais vérifier son intensité. Donc, présentement, il est à 100 watts pour 71 watts lumens par watt. Donc, il produit 7000 lumens, ce qui est suffisant pour une petite chambre comme celle-là. Donc, je vais les laisser comme ça. Et je vais aller à ma perspective ici. Donc, je vais changer, je vais créer en fait un autre point de perspective. Je vais aller dans View, Caméra. Et je vais placer ma perspective quelque part ici. All right. On recule un peu. OK. Et maintenant, je vais faire un premier rendu rapide. Je vais lui dire de le faire avec l'intérieur seulement. Et je vais choisir dans mes intérieurs de tout allumer pour le moment, parce que je n'ai pas beaucoup. Mon Studio Light, il est ici. Il n'est pas associé avec rien. Je peux ici créer un nouveau groupe tout de suite. Puis, je fais par exemple Office 4. Ça, c'est mon groupe. Et je peux prendre ça et lui dire « Move to group ». Et je lui dis « Mets ça dans le groupe Office 4 ». Comme ça, je peux faire un certain travail de classification pour comme, bien classer mes affaires. J'ai ici mes Truffer Light, je pense qu'ils ne sont pas classés encore en fait. Oui, eux, ils ne sont pas encore classés. Donc, je vais faire « Move to group ». Et mets ça pour l'entrée. OK. Et il va me laisser Scene and Light ici. Je ne me rappelle pas c'est lequel, mais celui-là et celui-là, je crois qu'ils sont dans la salle de conférence. Comme ça. Donc, comme ça, tout est classé, puis j'ai aucune qui est en groupe. OK. D'ailleurs, maintenant, je peux lui dire, la salle de conférence, je n'ai pas besoin. Des salles de conférence, je n'ai pas besoin. Ça, oui. Là, je le vois en bleu. Puis le Studio Light, oui. Donc, je vais lancer un premier rendu. Si vous avez des questions pendant que ça rend, on peut voir ici, il dit que les lumières artificielles et Luna 8. Donc, on sait qu'il est en train de calculer uniquement 8. Les autres, il ne les calcule pas. Alors, ça, c'est des aspects importants pour les lumières. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant pour les luminaires, c'est de savoir sélectionner, les bien placer, dépendamment de leur typologie, de les adapter à l'espace en les faisant groupant, en les groupant, en sachant comment changer leur intensité. Puis voilà, là j'ai l'air comme si je suis en delay parce que mon ordinateur est rond. On va attendre voir. Très bien, c'est fini. Alors, regardez comment à l'intérieur de cette pièce, c'est exactement ce que j'essaie de vous expliquer. Vous voyez à l'intérieur, la lumière studio, elle a éclairé la pièce. On peut voir l'intérieur. Celle-là, elle n'est pas éclairée, on ne voit rien.
Donc, l'intérieur de cette pièce-ci, je ne sais pas quoi mettre dedans, puis je ne sais pas comment le faire, puis ça ne me tente pas de le travailler. Mais je vais jeter une lumière studio en attendant, juste pour finaliser mes premières images. Admettons que vous travaillez en atelier, vous n'avez pas encore décidé toutes les luminaires dans toutes vos pièces. Donc, vous mettez des lumières studio partout pour que ça allume, pour que ça a l'air beau, puis vous les mettez en groupe. Et comme ça, lorsque vous aurez terminé, vous pouvez fermer ce groupe après que vous aurez mis vos vrais appareils d'éclairage. La dernière chose que j'aimerais vous montrer avant de finaliser ce cours, c'est que, admettons que vous faites une coupe. Vous pouvez faire une coupe élévation. Vous pouvez faire une coupe élévation. Si je vais, ça c'est une coupe. OK? Donc, dans cette coupe, je peux voir ça en réalistique, comme ça, mais je n'ai pas le droit de rendre ça. InCloud, je crois que c'est possible de rendre certaines affaires que vous n'avez pas le droit de rendre dans votre Revit normal. Mais ça, bon, ça peut être en train de prendre un peu de temps. On va y retourner à ça une autre fois. Mais ce que je vais vous montrer, vous pouvez aller en plan et placer, par exemple, une caméra. Donc, vous allez dans 3D View. Oups, non. Je vais tourner ici. On va aller dans caméra et vous placez une caméra quelque part ici. Droit, le plus droit possible. Maintenant, je recule, je vais l'élargir. OK, comme ça. Maintenant, la prochaine étape que je vais faire, je vais aller dans les propriétés de la caméra, ici. Et je vais lui dire de faire « Section Box ». Donc ici, vous avez le « Far Clip ». Ça, c'est le clip qui va couper de loin. Mais le section box, c'est ce qui va couper de proche. Et avec le section box, je vais pouvoir couper ma scène. Et comme ça, je peux voir à l'intérieur. Donc, avec ça, ce que je peux faire, une coupe élévation, une coupe perspective. Avec la coupe perspective, je peux maintenant lancer le rendu de nouveau. Donc, on va faire render. Donc, ça me permet d'avoir le droit de rendre une coupe. Maintenant, ma coupe perspective, c'est sûr qu'elle est très, très en perspective, mais j'aurais pu aussi réduire l'effet des perspectives. Et pour réduire l'effet des perspectives, en fait, ce que je fais, je place ma caméra très loin. Puis, j'ai réduit l'ouverture de la caméra. Donc, en faisant ça, ma perspective devient comme très mince et plus droite. OK? Donc, ça, c'est des types d'images que vous aimeriez faire pour vos présentations en atelier qui peuvent exprimer... comme vraiment toute la longueur de votre projet. Ça serait bien que vous m'en faites aussi pour le projet, pour la remise, vous incluez dans votre dossier. Donc, pour le faire, ce n'est pas compliqué. Comme j'ai dit, il faut tout simplement allumer Section Box. Maintenant, vous pouvez aussi allumer le soleil. Donc, pour faire, tout simplement, vous tournez on l'ombrage. Le seul problème que je vous dirais avec le soleil, c'est que lorsque vous faites une coupe, Revit le considère comme si les murs sont réellement coupés. Et ça, honnêtement, c'est idiot de sa part, de la part d'Autodesk, de ne pas avoir réglé ces problèmes jusqu'à maintenant. Dans SketchUp, il est possible, par exemple, de couper, parce que SketchUp, il considère qu'une caméra, elle a une fonction virtuelle.
Donc, lorsqu'elle coupe son plan de coupe, elle ne coupe pas réellement le physique de la géométrie. Donc, si je coupe, je fais une coupe comme ça avec SketchUp, à partir d'une perspective, le soleil ne va pas passer à travers le mur. Parce que lui, il considère que les murs sont toujours là. Alors que Revit, c'est vraiment triste. Ça me déçoit beaucoup. Mais ce que vous pouvez faire, c'est aller dans le soleil, aller dans sun settings, et tourner le soleil dans le sens inverse. Donc, allez-y dans Still, Summer, par exemple, puis changer l'heure à quelque chose de très tard, comme 4 heures de l'après-midi. Donc, comme vous voyez, maintenant, le soleil rentre de côté. Comme ça, on triche, on n'est pas capable de savoir que le soleil ne rentre pas de ce côté. On vient de régler un problème. Dans une autre circonstance, ça aurait été plus beau encore à voir. Donc, si je monte à 5 heures, donc 5 heures, on est en train de tourner dans l'autre sens, vers l'ouest. Donc, trouver une solution. OK, on se débrouille. Donc, je vous lance ce dernier rendu pendant qu'il rentre, si vous avez des questions avant la fin du cours. Sinon, on aurait terminé. Donc, on va voir ça avec... En fait, on n'a pas choisi. Je vais l'arrêter et juste le relancer. OK. Je vais mettre ici « Sun and Artificial », le 2. OK. Dites-moi s'il y a des questions pour le cours. Sinon, si on aura couvert la matière sur la lumière. C'est trop éclairé. Donc, quand c'est trop éclairé comme ça, il ne faut pas s'inquiéter. Ce que vous faites, vous allez dans « Adjust Exposure » et allez-y un petit peu vers « Darker » jusqu'à temps que vous trouvez une bonne quelque chose de beau. Et vous pouvez le cropper dans Photoshop pour voir rien qu'à l'intérieur. Puis, essayer le shadow, vous pouvez l'accentuer un petit peu plus parce qu'il n'est pas assez accentué. Vous pouvez ajouter dans le white point un petit peu warmer, dépendamment de ce que vous cherchez comme effet. Ça, c'est un beau ciel. La saturation, présentement, c'est très gris, mais c'est bien ça. Moi, j'aime pas quand c'est trop coloré. Les highlights, on s'en va un petit peu vers le darker. Peut-être un petit peu moins. C'est pas aussi pire. Mais ça, c'est sûr que c'est un projet très simpliste. Mais quand il est bien meublé, quand il est rempli et tout ça, puis ça, quand vous allez dans le white point et vous allez vers warmer, ça crée un effet vraiment, vraiment joli avec tout l'éclairage en place. OK. Est-ce que tout est clair? Oui. Monsieur, j'ai une question. Oui. On doit créer les fiches techniques des lumières.